C'est à l'automne 2012, lors des salons nautiques de Cannes et Monaco, qu'a été officialisé le lancement du Quash, la Pellegrina. Un superyacht français de 50 mètres, très ambitieux sur le plan technique, avec une coque et des superstructures solides, qu'a renforcé en matériaux composites, l'aramate, mélange de polyester et de carbone, mis au point par le fameux Dupont de Nemours. Une belle histoire aussi qui a débuté en 2007 avec le projet d'une embarcation destinée à l'origine aux douanes françaises, avant de se transformer en yacht privé pour milliardaires. 5 ans plus tard, on retrouve une coque rapide étudiée par l'architecte Ezequiel Canolanza, qui connaît bien la maison Quash. Comme toujours, le chantier français a donné naissance à une coque très marine, confortable et apte à affronter des mers difficiles. Pour les aménagements intérieurs, Quash a fait appel à des signatures de renom comme le français Jean-Pierre Fantini ou Daniel Chopard pour la décoration. Le salon du yacht est original, avec des vitres latérales qui naissent au niveau du plancher, beaucoup de lumière et des parois aux meubles laqués. Peu d'objets ou gadgets à bord, la décoration est plutôt minimaliste. Le reste du superyacht se compose de 4 cabines invitées, d'espace équipage, d'une cabine VIP vers la proue avec une superbe vue panoramique et une très belle salle de bain. Propulsé par 2 moteurs MTU des 20 cylindres en V, le superyacht affiche 29 nœuds en régime maxi contre 16,5 nœuds en croisière. Sa capacité en carburant est extraordinaire, 65 tonnes pour une autonomie proche des 2000 milles nautiques. Enfin, l'armateur profite d'une terrasse privée sur le pont supérieur et là encore, de beaucoup d'espace et de luxe. Sur le dernier pont supérieur, le Quash offre un espace repas avec à proximité un jacuzzi et une immense partie bain de soleil. De quoi accueillir beaucoup d'invités sous le soleil de la Côte d'Azur ou des Caraïbes. Étonnant dans son design et atypique côté construction, la Pellegrina démontre en tout cas le savoir-faire du chantier tricolore sur ce créneau du 50 mètres. Il est en revanche parfois un peu déroutant côté décoration intérieure et circulation à bord. Prix du yacht environ 29 millions d'euros hors taxes, auquel il faudra rajouter bien sûr le prix de l'entretien et celui de l'équipage composé de 10 personnes.